pas l'idéal. C'est là qu'il faut faire attention, pas se mettre à l'eau. Bon, donc on va y aller gentiment. J'ai une petite bête, hein? Ça c'est le pose-mètre. Ouais. Ben ouais, c'est tout sauf automatique. Et puis ça c'est le voile de visée pour que tu puisses voir. Sinon tu vois rien. Ouais. En fait, l'objectif est tellement court qu'il faut que je change le trou. Non, c'est quand même grand quand même. Donc je vais m'avancer un petit peu, je vais me mettre plus en avant. Le blanc des cascades éclairées. Partie brillante des pierres. Le premier plan qui n'est pas éclairé. On va regarder la moyenne. Donc là, j'ai un 5e f sur 11, 7. Alors 2 secondes à 45. Sauf que j'ai un filtre. J'ai un filtre qui bouffe de la lumière. C'est un ND045. Donc ça veut dire que tu multiplies le temps de pause par 1,5. Donc de 2 secondes, on passe à 3 secondes. Et on va surexposer un petit peu, parce que c'est pour du platine palladium. Donc mettre 3 secondes avec l'effet Scheimklung. Allez, on va partir pour... on va essayer 5 secondes. On va faire une exposition à 5 et une à 10. Et normalement, quand je fais comme ça, et quand je fais comme ça, ça marche. On vérifie. Ça marche. Donc j'arme. Voilà. J'enlève le volet de protection. Voilà, donc là le négatif est directement en contact avec l'objectif. Et je vais exposer pendant 5 secondes. 5 bonnes secondes. Et je vais remettre le volet en place. Et je vais exposer l'autre un peu plus. J'ai tourné, j'ai fait une fois 6 secondes et une fois 11 secondes. Pour être sûr que c'est bien 6 bonnes secondes. Finalement, j'expose beaucoup plus. Parce que comme c'est pour du tirage platine, pour que les photos soient denses.
J'ai fait ce qu'il ne faudrait jamais faire, c'est-à-dire j'ai ouvert un paquet aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû tester pour savoir si elles étaient encore bien fraîches, si elles étaient... Bon, normalement, c'est au congèle. C'est vrai que j'avais pas capté que le soleil se couchait ici aussitôt. Ah, oui. C'est le problème de la connaissance des lieux. Quand tu ne connais pas le lieu vraiment comme il faut, ouais. Tu découvres à chaque fois que tu viens. Ouais. C'est pour ça que, avant de faire une bonne photo, des fois, il faut revenir 3-4 fois au même endroit. Donc on va aujourd'hui réaliser un tirage platine palladium à partir d'un négatif de 12 par 20 inch, c'est-à-dire 30 par 50 cm. On a déjà fait quelques bouts d'essai. Le premier bout d'essai ici, 2 minutes avec 2 gouttes de contrastant à 2,5%. Visiblement c'est trop sombre. Donc on a diminué un peu le temps, on passe à 1 minute 30 et on va, pour abaisser un petit peu les hautes lumières, on va mettre plutôt 2 gouttes à 10% au niveau du contrastant. On va commencer par 72 gouttes d'oxalate ferrique. Alors, ça, c'est l'oxalate ferrique. Déjà 12. 60. Et 72. Donc, 6 gouttes. Donc, du contrastant à 10%. Ensuite, le palladium, 18 x 3, ça fait 54 gouttes. Là aussi, c'est pas mal. Et enfin, le platine, c'était 6 gouttes, donc x 3, 18 gouttes. T'as vu des couleurs différentes ? Voilà, donc en gros, pourquoi est-ce que je mets un quart de platine et trois quarts de palladium ? C'est parce que le palladium permet d'avoir une couleur assez chaude. Et par contre, si on met que du palladium, on a une montée du grain. Donc je mets un petit peu de platine quand même, 25%, pour justement que le grain reste fin. À l'avenir, si je devais en faire beaucoup plus, il faudrait faire ça à la seringue, ça serait plus précis qu'au nombre de gouttes. Alors H-platine, c'est un papier donc, où il y a deux côtés. Il y a un côté lisse, qui est le côté où on met l'émulsion, et un côté plus granuleux. Pas le côté où on doit mettre l'émulsion. Un super pinceau cher, mais bien efficace, Richardson. Par contre, on ne va pas l'utiliser comme ça. Donc il faut qu'il soit mouillé, mais sec. C'est-à-dire on va le mouiller un petit peu, mais on va enlever toute l'humidité possible. Jusqu'à la dernière goutte. Ah oui, il ne reste pas grand-chose. Hein. Puis alors là, on va étaler. Et c'est parti. Il faut essayer d'aller vite, mais en même temps, si on va trop vite, on en fout partout. Il faut croiser les traits quand même. Voilà, il faut croiser les traits. Donc là, il faut essayer d'aller, j'ai dit, à peu près 1 cm. Et tu dois faire jusqu'à vite, qu'il n'y ait plus de traces de pinceau. Voilà, plus ou moins. En fait, on fait rentrer l'émulsion dans le papier. Il faudra la faire sécher un petit peu. Voilà, on arrive au bout. Tu vois, on a à peu près tout pompé. Parce qu'après si on fait trop, après ça a tendance à un peu à marquer les traits de pinceau. Donc maintenant que ça a bien pompé, on va bien sécher à froid. J'enfourne. C'est ça d'avoir un petit local. Tu vois, déjà c'est bien sombre, bien noir, les ombres, regarde, c'est déjà bien visible. T'es prêt? C'est parti. Oui. Dépôt blanc. Oui, j'ai vu. Oui. C'était l'oxalate qui n'était pas complètement dissous. Ouais. Alors là, elle paraît peut-être un peu sombre, mais elle va s'éclaircir dans le sens où le contraste va augmenter.
Oui, d'accord. Ouais. Au fur et à mesure que... Du séchage après. Bah, déjà là, tu vois, tu dois voir que les noirs noircissent encore un petit peu. Ouais. Et du coup, tu vois, le blanc ressort mieux. Ouais. Après, commence une longue série de lavages. Un coup avec de l'eau, un coup avec l'hyposulfite. Re avec de l'eau, après acide citrique. Puis on finit par un grand lavage avec de l'eau pendant une bonne demi-heure, si c'est pas plus. Donc là, elle va baigner encore pendant une bonne heure, voire une heure et demie. D'accord. Dans les différents bains. Ouais. Et au fur et à mesure, le jaune va partir. Le blanc de la cascade, le blanc de l'eau a l'air pas mal. Ouais. Bon, après, il faudra voir une fois que ça sèche. Hein. C'est difficile de... Hop. Et nous, la repartie. Il faudrait une bassine plus grande. Bon, ça, c'est surtout pour pas trop polluer le... Les bains. Voilà, déjà. Ah, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ah, mieux. Hein. Tu vois, fallait bien, on voit. Hein. Donc petit à petit, toi, le jaune de la photo va disparaître pour donner un blanc. Bon, ça restera un petit peu chaud, hein, mais pas comme c'était au départ. On met deux bains d'hyposulfite parce que le premier, donc là j'en ai qu'un seul, mais le premier il est vite pollué. Donc en fait, quand on fait ça souvent, quand on a travaillé et que le premier bain est un peu usé, ben on le jette et le bain numéro 2 devient le bain numéro 1. Donc là, il faut faire bien 5 minutes. Le problème, c'est que c'est un ultra grand angle, mais qui couvre pas tout à fait le négatif, la preuve, là et là, et qui nécessite, comme n'importe quel grand angle, ben, d'avoir des premiers plans très présents. Hein. Donc là, tu vois, là, j'ai mis vraiment un premier plan très présent. Et ce qui fait aussi qu'il y a du vignettage, c'est que pour que le premier plan soit net et que l'arrière-plan soit net, j'ai dû faire des mouvements de chambre. Quand on fait des mouvements de chambre, bah forcément, on limite la couverture de l'optique. Et c'est aussi pour ça que j'augmente le vignettage. Si j'étais resté tout plat, j'aurais pas eu de vignettage. Mais le problème, c'est que mon premier plan aurait été flou. Alors que là, on voit bien, hein, il est très très net, on voit super, bien la mousse. Hein. Et en même temps, je veux dire, les détails là dans les arbres, puis sur le fond, on voit que tout est net. Comme l'appareil... 24-36 comme le... Ah ben non, parce que t'as pas de mouvement de... Là, j'ai fait un petit coup de Scheimpflug. Donc j'ai incliné le plan de netteté. Mon plan de netteté, en fait, il va du bord là, d'accord, il part en diagonale jusque là. Puis après, c'est un cône de netteté, et mon cône de netteté englobe la totalité de l'image. Et là, on est dans quel bain maintenant? Acide citrique. Acide citrique. L'acide citrique, il a quel rôle? Ah, des propriétés de conservation. Voilà. Et aussi de nettoyage. Tu sens les vapeurs, ça, oui. Ça pique un peu à la gorge. Ça pique à la gorge, hein. D'où mon éternuement. Après, ce que je fais, c'est que je la tourne pour être sûr qu'elle soit mouillée. Ah, tu la tournes aussi. Donc, comme ça, l'eau, elle est forcément en contact. Ouais. Parce que des fois, sinon, après la feuille, elle a tendance un peu à flotter. Ouais. Et du coup, ça lave moins. Ouais.